Alors, Caroline, t'es encore allée fouiner dans les salades? T'inquiète, tu vas être toute belle. Mais je suis déjà toute belle, hein, Pile? Craquante. Boule, hein? Tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Désolée, une urgence. À toi de jouer, Pile. Pas besoin, il me prend pour qui? Place aux professionnels. Avec moi, tu vas être brillante. J'ai besoin de nouvelles lunettes pour lire et je suis tentée par ces montures en écailles de tortue. T'en penses quoi? Quoi? En écailles de tortue? Non mais ça va pas la tête! Ah oui, pas! Ça tirait drôlement bien! Nom d'un os! Qu'est-ce qu'ils fabriquent derrière cette porte? Elles sont chouettes, c'est vrai, mais tu trouves pas qu'elles me font un gros nez? Pas du tout! Elles sont hyper stylées! Et regarde, tu peux même choisir la couleur que tu veux! Je veux qu'elle soit de la même couleur que Caroline. Ce serait parfait. Mais il faudra que je l'emmène chez l'opticien avec moi. Je sais où elle est. Je vais la chercher. Non mais je rêve. Ils veulent te piquer des écailles pour en faire des lunettes. Et Boule est dans le coup. C'est pas un rêve, Bill. C'est un cauchemar. Ma carapace, au secours. Pas de panique, Caro. Primo, je t'évacue. 2 yo, tu vas te cacher. 3 yo, je m'occupe du reste. Allez, hop. Caroline. Caroline. Caroline, j'ai une belle salade pour toi dans la cuisine. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Caroline. C'est vrai? Mais c'est trop horrible. Bouge pas de là. Je vais les faire changer d'avis. Robin, tu me siffles s'il y a du danger, d'accord? D'accord, t'inquiète, question signale, je connais la musique. Elle est pas là non plus. C'est bizarre, d'habitude c'est toujours là qu'elle se met pour être à l'ombre. Je crois que j'ai compris. Elle joue à cache-cache, exactement comme ce coquin de caporal. Bill! Oui, c'est ça, et je sais même où elle est cachée, mais je vous le dirai jamais. On dirait que Bill sait où elle est. Allez, Bill, aide-nous un peu. Caroline, il y a une belle salade qui t'attend. Trop fastoche. Ouais, pourquoi pas. Non, pas de lunettes tu ici. Tu préfères le tennis? Non, rien non plus par là. Oh, bingo. Caroline, vite, sauve-toi. Merci, Robin. Va-t'en, va vite te cacher autre part. Mais c'est l'heure du goûter. Caro, t'es où? Oh, quel joli petit oiseau. Madame. Oh. Merci, monsieur Moustache. C'est pour la bonne cause. Je vous les rapporte très vite, je vous le promets. Caroline? Pas là non plus. Tenez, en voilà des lunettes. Maintenant, vous laissez Caroline tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça, Bill? Tu les as prises à qui, ces lunettes? Va les rendre immédiatement. Qu'est-ce que t'as, Bill? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Mais ils ont des croquettes dans le cerveau ou quoi? Ils peuvent pas la lâcher. Ah mais je sais, elle doit être dans la cuisine. Caro, vite, les écailleurs arrivent. Caro. Bill, ça suffit. La comédie a assez duré, laisse-nous passer. Mais où est-ce qu'elle est? Quelle horreur!
horreur, j'ai rêvé que j'avalais une mouche. Mais où sont passées mes lunettes? Oh, c'est pas vrai. Bill n'a pas l'air d'aimer le nouveau produit pour le sol. Caroline a disparu et même Bill n'arrive pas à la retrouver. Oh, c'est malin! Je vois rien du tout sans mes lunettes. Si je retrouve celui qui me les a volées, je... Qu'est-ce qu'il fait là, ce vase? Oh, qui est assez bête pour planter un arbre à cet endroit? J'imagine que c'est moi. Oh, j'aurais dû acheter un appartement. T'inquiète pas, on va la trouver. On va fouiller derrière chaque brin d'herbe s'il le faut. Allez, c'est parti. T'inquiète pas, Boule. Elle doit pas être bien loin. Caroline! Caroline! Je cherche ma tortue. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Non! Mais sors de là! Je veux juste un petit câlin! Bon débarras! Caroline! Bill! Vous êtes où? Toujours aucune trace de mes lunettes! Et voilà! Bon, je vais me faire un thé, moi! Aïe! Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Elle a changé de cachette, Bill. J'ai pas pu te prévenir, il y avait Caporal qui essayait de me croquer. Ah, celui-là! Qu'est-ce que j'ai envie de lui nouer les moustaches! Allez, on fonce! Oh, c'est pas du thé, ça! On dirait... du poivre! Surprise! Laisse-toi tranquille! Laisse cet oiseau tranquille, Caporal! Caro! Qu'est-ce que vous voulez? Parlez plus fort, j'y vois rien du tout. Bonjour, Madame Stick. Vous n'auriez pas vu notre tortue par hasard? Non! Dites donc, voisin, vous n'auriez pas vu mes lunettes par hasard? Vos lunettes? Non, pas du tout, du tout. T'inquiète pas, on va la retrouver. Caroline n'a pas pu s'en voler. Allez, viens, fiston. Tu veux que je te dise, j'ai jamais vu un vase aussi beau. Caro! Te voilà! Brigand! Cours, Caro, cours! Voleur d'écailles! Caroline! Caroline! Bill, mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Ça suffit! Viens par là, Caroline! Laisse-la tranquille! Bill, reviens! Arrêtez! Vous ne toucherez pas à une écaille de ma Caro! À vous de jouer! Place au plan D! Comme dernière chance! Y'a un doigt prêt! Oh là là! Waouh! On n'y arrive pas, elle est trop lourde! Accroche-toi! Bill, arrête tes bêtises! Bill! Je la tiens! Raté! Par ici, Caro! Mais qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Bonjour, monsieur, vous avez perdu quelque chose? Ta
T'inquiète pas, Caro. Je vais t'emmener super loin d'ici et on ne te retrouvera jamais. Oh, arrête, Bill. J'abandonne. Laisse-les prendre mes écailles. J'espère que ça fera pas trop mal. Ah, voilà. C'est pas trop tôt. Pourquoi tu voulais te cacher, ma Caro? Je viens d'avoir l'opticien au téléphone. Pas besoin de lui amener Caroline. Il suffit de prendre sa carapace en photo et de lui envoyer pour qu'il ait la bonne couleur. Mais alors, ça veut dire que vous voulez plus lui piquer ses écailles? Ah, oh, d'accord, je comprends. Mais non, on ne va pas prendre les écailles de Caroline. Même pas en rêve. Je veux que mes lunettes aient la même couleur que sa carapace, c'est tout. Je l'adore, notre tortue. Un voleur de lunettes? Oh, inutile d'aller porter plainte, Madame Stick. Je sais qui nous les a empruntées. Waouh! Ah oui, elles te vont vraiment hyper bien. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Merci, Caro, de me prêter ta couleur. Regardez, elles vont bien avec ma carapace, vous trouvez pas? Ouais. T'en veux pas une paire, Bill? Non merci, moi les lunettes j'en ai par-dessus les oreilles. Bill, y a du monde pour toi. Oh oh, chaud devant.